Thank you.
Thank you.
Mon Dieu, que s'est-il passé? Où sont mes hommes? J'en ai rencontré un ou deux. On dirait qu'ils ont condamné toutes les sorties. Oui, c'est bien. Il faut nous aider à... libérer la ville. Je cherche juste mon chemin. Il faut que je me rende à la citadelle. Oh, c'est pas une bonne idée. C'est là-bas que les événements se sont passés. Quels événements? Quand ça nous est tombé dessus, le ciel est devenu très sombre. Une créature venue de la nuit des temps passait à travers mes hommes comme la foudre. J'avais garé le camion de munitions pas très loin, avec l'idée de tout faire sauter. Mais la créature nous a repoussés. On aurait dit qu'elle connaissait nos plans. Créature ou pas, sergent, il va falloir que j'entre là-dedans. Si tu as la foi, vas-y. En évacuant la zone, nous avons miné quelques rues afin d'empêcher toute contagion. Deux de mes hommes sont encore là-bas, non loin du cimetière nord. L'un d'entre eux a la fréquence du détecteur de mines et l'autre détient la seconde moitié du code pour les explosifs. Et si je les trouve? Dis-leur que le sergent Azeza t'envoie. J'ai entendu ta moto. Quand tu auras les codes, reviens pour m'emmener au camion. Je m'occuperai de cet encombrement. Dépêche-toi, je n'en ai plus pour longtemps.
Un peu doper ta moto si tu veux franchir certains obstacles. Avec un peu de nitro, tu devrais pouvoir lui donner la puissance suffisante. Allez, petite, va et rapporte-moi les codes. Ugh!
No. Thank you.
No. Thank you.
No. No.